Donc le jeu de base de Bazar Bizarre, le voilà, avec cinq objets qu'on pose sur la table. La règle de jeu de base, je vais vous l'expliquer. On a un fantôme blanc, un fauteuil rouge, un livre bleu, une bouteille verte et une souris verte, une souris grise. On a des cartes avec l'objet de la bonne couleur et l'objet d'une mauvaise couleur éventuellement. Alors moi, pour jouer avec les personnages, en fait, il faut... Sur la base de jeu, c'est un jeu de rapidité. On prend les cartes au fur et à mesure et on doit attraper soit l'objet quand il est de la bonne couleur. Donc là, le livre bleu apparaît, je chope le livre bleu, j'ai gagné, je garde la carte. Donc ces cartes-là, je les bannis. Je les oublie avec les personnes qui sont en difficulté. Je les range. C'est pour ça que j'ai choisi, j'ai trié mon jeu avant. J'ai trié mon jeu avant. Et donc, avec les personnes qui sont en difficulté, je sors uniquement les cartes qui correspondent aux objets de la bonne couleur et on n'y va pas à la rapidité, on y va chacun son tour. C'est-à-dire que c'est à moi de jouer, je tourne la carte, je prends l'objet bleu, le livre bleu. Ensuite, c'est à Xavier de jouer, il va tirer cette carte-là, c'est le fantôme blanc. Il a le temps tranquillement de prendre le fantôme blanc.